personne s'approprier le lieu, venir proposer des idées de projets et voir comment chacun d'entre eux pouvait se retrouver dans cet espace-là. À partir du moment où on ouvre cet espace, à partir du moment où les gens savent qu'il existe, ils vont venir l'habiter, ils vont venir y amener un peu de qui ils sont, un peu de ce qu'ils veulent faire, un peu de leurs rêves, un peu d'eux-mêmes. Le Mandalab aimerait venir habiter le site Saint-Marc. Donc on est venu travailler ici, on a installé notre Mandalab au Jubé, coloc avec l'organiste de l'église. On a commencé la résidence sans moi. Ok, ok, ok. Fait que tu peux aussi être en mouvement. Ouais. Puis, ouais. Des fois, c'est le milieu. T'as un ambassadeur de milieu qui t'ouvre toutes les vitres. Parce que... Je mets équipage. Alors, ici, c'est une pratique à l'équipage. De dire, est-ce qu'on peut avoir un modèle pour la collaboration, la co-création, la mise en action qui est simple et fonctionnel et qui a une puissance de faire entrer dans la culture, dans l'auto-organisation, dans l'approche démocratique. Donc, ça joue un peu sur les deux niveaux. Un, pour comment faire des choses, puis aussi un processus d'entrer dans une nouvelle culture de fonctionnement. J'ai pris connaissance du processus par l'intermédiaire d'un ami. Puis là, je me préparais à venir pour la troisième semaine. Mon intérêt pour l'église Saint-Marc ici, imaginons Saint-Marc, c'est que moi-même, je suis dans une démarche pour la reprise en charge des églises, puis leur donner une nouvelle vocation. Plus multifonctionnel, mais de garder l'aspect du sacré dans les églises. Donc, ça demande des églises. Ça demande comme un temple, mais multifonctionnel. Fait qu'on peut en profiter pour partager nos différentes croyances, nos philosophies, puis rappeler le sens du sacré. Puis là, je vois qu'ici, à Saint-Marc, ils sont rendus à une étape un peu plus loin de ce que nous, on a atteint dans notre propre projet. Puis je viens m'inspirer de ça. De ce que j'ai observé, mon bilan, je trouve que c'est super bien parti. Il y a des gens sérieux, qui ont des bonnes idées. Il y a des gens qui veulent vraiment que ça fonctionne. Puis je trouve que c'est super positif. Comme on veut. Et quand on part ça sous forme d'organisme à but non lucratif ou coopératif ou entreprise collective, il faut se dire que les autres partenaires ou les autres membres sont là aussi pour essayer. Tous les vendredis, on a c'est une journée de formation dans un cercle d'apprentissage, un démarrage d'entreprise en vocation sociale. Puis, habituellement, on a nos journées de cours dans un autre lieu. Et parce qu'on savait que le site Saint-Marc était ouvert, était un espace disponible. On a décidé juste de venir faire notre journée de formation ici même, à Saint-Marc. On a demandé, bon, quel est l'impact d'être ici aujourd'hui, juste en changer de lieu, là, qu'est-ce que ça nous fait? Tout le monde avait pas juste une joie, mais une espèce de respect d'être dans ce lieu. Le cercle était, et une ouverture aussi en raison de l'espace, de l'environnement. C'est comme s'il y avait une ouverture beaucoup plus grande que quand on est dans une pièce plus petite, mais aussi un calme. On a senti, on a nommé aussi une écoute des autres qui était un peu différente aujourd'hui, probablement influencée en grande partie par ce calme. Et ça ne dépend pas du tout, mais quelqu'un du cercle a aussi dit, imaginez, les gens ont construit ça, nous qui voulons construire à différents niveaux, à différentes échelles, un projet, un démarrage d'entreprise, si on réussit à faire des choses comme celle-là, on est sûrement capable nous-mêmes de construire aussi d'autres beaux projets dans nos entreprises. Donc, il y avait aussi une inspiration, le lieu était une inspiration pour moi. Okay. Je veux dire, avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, puis j'aimerais clairement pouvoir fréquenter un lieu qui ressemble à ça de façon régulière. Il y a comme un lien peut-être indirect ou direct sur la mission du service que je veux développer et peut-être un lieu comme ici. Peut-être que je devrais m'installer mon bureau ici.